Bonsoir et bienvenue dans On a tout essayé. Ce soir chez vous, Stevie Boulet. Bonsoir. Elsa Fayère. Philippe Vandel. Bonsoir. Isabelle Motreau. Annie Lemoine. Et Pierre Bénichoux. Et puisque demain, mercredi, c'est la fameuse passation de pouvoir entre le président Chirac et le futur président Nicolas Sarkozy, j'aimerais vous montrer d'abord une photo et puis quelques images de Nicolas Sarkozy qui a déjà pris le pouvoir au musée Grévin hier, donc avec 48 heures d'avance. Je crois qu'on a quelques images, si on peut les voir tout de suite. Et oui, ça y est, Nicolas Sarkozy a rejoint Vladimir Poutine, Tony Blair, Juan Carlos, George Bush et Mohamed VI au musée Grévin. On a, je crois, madame la directrice du musée Grévin au téléphone. Bonjour, madame. Oui, bonjour. Madame Béatrice de Reignès, je n'écorche pas votre nom? Pas du tout. Alors, parfait. Où est-ce que vous avez mis le président Chirac, alors? Alors, il est resté pas très très loin de monsieur Sarkozy, puisqu'il est encore président de la République aujourd'hui. Et donc, nous allons définitivement l'enlever de cette scène à partir de demain. Mais pas alors, avant. Mais où est-ce que vous le rangez demain, alors? Alors, on a beaucoup réfléchi, on va probablement le mettre au théâtre, là où il y a déjà des personnalités politiques et des personnalités du monde du showbiz. Comme Giscard, par exemple. Ah non, mais Giscard n'est plus à Grévin. Ah bon? Quelqu'un qui a été président de la République, même s'il est encore vivant quand même comme Giscard, il est rangé. Alors, il est rangé parce qu'il avait été fait il y a très longtemps et aujourd'hui, il est plus ressemblant. Je n'ai pas très gentil. Mais je regrette, mais il n'est plus ressemblant. Alors, on ne peut pas offrir aux visiteurs des personnalités qui ne sont pas ressemblantes. Il a posé, M. Sarkozy, pour sa nouvelle statue? Il a posé, et on a mis un an à faire son personnage. Un an? Mais pourtant, il est... Oui. Moi, on m'a dit qu'une bougie avait suffi pour la cire. J'aurais bien aimé, mais non, il a fallu un an. On l'a rencontré trois fois et on l'a inauguré donc au mois de juillet dernier. Bon, en tout cas, ça y est, la passation de pouvoir a eu lieu au Grévin. M. Sarkozy a déjà remplacé M. Chirac, qui donc sera comme Giscard, fondu bientôt. Donc. Ah bah, on peut lui laisser un peu de temps quand même. On vous remercie, madame Reignès. On n'est pas très loin de ce sujet avec vous, Philippe Vandel. Je vous parlais d'un magazine qui s'appelle, je ne sais pas si vous le connaissez, qui s'appelle Comic Box. C'est un magazine qui est uniquement consacré à la bande dessinée américaine. C'est un bimensuel, ils en sont au numéro 46. Et pourquoi je vous en parle? Parce qu'ils font dans chaque numéro le portrait d'un personnage de bande dessinée qui a été oublié. Et là, ce mois-ci, c'est le personnage d'un méchant des années 40. Et regardez son nom, ça ne vente pas, il s'appelait Sarko. Alors, il a un casque à pointe et un S sur le ventre. Regardez, on va mieux le voir. Parfois, Sarko torture les femmes. Et c'est le chef des mauvais terriens, ça ne s'invente pas, et Sarko attaque. Voilà, c'est dingue quand même. Dans quel magazine, ça? Dans Comic Box. Voilà, interdit à la vente à partir de demain. Pierre, je sais que vous faites votre marché régulièrement. Oui, absolument. Et ce matin, on nous a dit que la cerise était trop chère. Et quand on dit la cerise, il ne faut pas dire n'importe quoi. Est-ce que c'est la Bigaro? Est-ce que c'est la Montmorency? Est-ce que c'est la Burla? Est-ce que c'est la cerise du Chili? Vous comprenez? Il faut connaître la cerise. Pourquoi? Parce que la cerise... Mais là, vous arrêtez de rire. Elles vont entre 10 Jean-Pierre et... Jean-Pierre Coff, tiens-toi bien. Pas du tout, elles vont entre 10 et 15 francs le kilo. En euros. 10 et 15 euros. Ah, voilà. Mais oui. Ça, c'est de la... Ça, c'est de la Vallée du Rhône, ça. Fait tourner. Oui. Tandis que ça, c'est de la chilienne. Ah oui, ça se retrouve. Combien elle coûte? La chilienne coûte à peu près 26 euros. Et la française, 15 euros. Le kilo. C'est honteux. Remarquez, moi, j'ai vu pire. J'ai perdu un pari parce qu'il y avait chez un fruitier de luxe des cerises qui valaient l'équivalent de 500 euros le kilo. Ah. Alors j'ai dit, mais comment, c'est pas possible. J'y suis allé, j'ai vu ça, et on m'a dit, mais qui achète ça? Il dit, mais ce sont des gens qui apportent ça à des femmes enceintes ou à des malades, et on en achète deux ou trois. Pour des gens qui ont des envies de cerises. La cerise est un fruit... qui peut rendre fou. Je vais vous le dire. D'abord, c'est le fruit. On voit ça. On est en train de se rendre fou. Non, mais je vous dis. Tiens, donc, une fois que vous pouvez mettre la main au panier, profitez-en. Oh, je vous en prie. C'est justement. Annie Lemoine, je ne sais pas combien de téléspectateurs nous regardent, je sais qu'ils sont nombreux, mais alors il y a aussi de nombreux téléspectateurs qui ont fait un truc incroyable, racontez. Eh oui. C'était samedi soir, peut-être ont-ils fait des bébés. Nous sommes sur la trace, enfin nous recherchons 170 000 personnes environ. Regardez, c'était sur M6, samedi soir ce qui s'est passé. À l'arrière, le temps sera variable. C'est normal, à la météo. Ce sera plus calme, malgré quelques coups de tonnerre possibles sur les routes.
Et voilà, là, c'est la panne. Et puis, quelques... Voilà, ça continue. Cette histoire a duré... Cette histoire-là, la suite de nos programmes dans quelques instants, ça a duré entre 20h02 et 20h35 à Paris, entre 20h05 et 21h35 en province. Il y a eu une coupure d'électricité à Neuilly, donc la cata pour M6, qui a perdu quand même 1,5 million d'euros. Mais le plus drôle, c'est que Médiamétrie, évidemment, a mesuré les gens qui étaient devant la télévision à ce moment-là, et ça représente quand même 0,9% de part d'audience, soit 170 000 personnes. Ça veut dire que 170 000 personnes sont restées à regarder ça, la suite de nos programmes, dans quelques instants. Donc il y a deux possibilités. Ou ils se fichent complètement des programmes de la 6, et donc pendant ce temps-là, ils ouvrent le frigo, ils font des bébés, ils s'embrassent, ou ils mangent une raclette, je ne sais pas, ou ils sont tellement accros qu'ils restent devant le programme en attendant la reprise du programme. Ou ils ont trouvé ça mieux. Isabelle Motreau. Ah, moi, j'ai un petit cadeau pour vous, Laurent. Ah. Parce que je sais que vous aviez beaucoup aimé la comédie musicale Hairspray. Ah, c'est vrai, j'ai vu ça. Vous avez vu à Broadway, j'imagine. À Broadway, à New York. Alors, figurez-vous qu'elle va être adaptée. Alors, on va regarder la bande-annonce. Et je ne sais pas si vous allez... Bah, là, vous allez le reconnaître, puisque c'est marqué. C'est Travolta. Mais voilà, vous allez voir Travolta. On se dit, c'est pas possible, il peut pas bouger et habiller comme ça. Mais vous allez voir, non seulement il bouge, mais il danse pas mal. Ça nous change de grise, quand même. Regardez. America. You gotta think big to be big. Big ain't the problem in this family, Wilbur. Mais alors, attendez! C'est incroyable! Travolta, il joue la maman ou il joue la petite fille? Alors, il joue la maman. Hein. Isabelle, il a grossi ou ce sont des trucages? Comment te dire? C'est Travolta maintenant. Justement, sans transition, Stevie. Eh bien, moi, c'est dans l'équipe que j'ai trouvé ça. Je vais vous parler d'un jeune Français qui s'appelle Jérémy Flores. Il a 19 ans, c'est la nouvelle star du surf. Il a battu dimanche dernier à Tahiti Kelly Slater, qui est l'octuple champion du monde. Le quoi? L'octuple. L'octuple champion du monde. Oui. Alors, il avait déjà rencontré, alors, oh, non, c'est lui. Ah ouais, c'est un beau gosse. Hein. Mais alors, il arrive à dompter les vagues. Même Kelly Slater, il n'arrive pas à... Enfin, il avait déjà fait peur en 2005 et en 2006 à Kelly Slater. Il l'avait rencontré à Osgore. Il ne l'avait pas battu, mais il l'avait suivi de près. Et cette fois, dimanche dernier, ça y est, il l'a battu. Et voilà. Et c'est un Français. Et c'est un Français. Il a 19 ans et on pense que c'est octo, la relève. Octo victorieux. Non, c'est la relève. Voilà. Il est mu mais... par une force octuple, je crois. Comme ça, la main octuple. On termine avec Diana Ross, des nouvelles. Elle vient à Paris, c'est ça? Une excellente nouvelle. Diana Ross arrive à Paris. Elle arrive lundi prochain, donc on sera le 21 mai. Elle fait un seul concert, donc un concert exceptionnel à Paris, au Palais des Sports. Alors, bon, le petit hic, c'est qu'elle ne vient pas nous chanter ses grands tubes et les tubes des Platters. Elle vient nous chanter son dernier album, dont on n'a pas trop entendu parler. Ça s'appelle I Love You. Et c'est un album de reprises de chansons d'amour qu'elle affectionne particulièrement. Et c'est cela qu'elle va venir nous interpréter en France. Qu'est-ce que vous dites, Stevie? Je sais pas, il y a quelque chose qui me saisit en fait au fur et à mesure du temps, c'est que les femmes blacks, je les trouve de plus en plus blanches. Alors justement, reste à savoir si celui qui l'idolâtre le plus, à savoir Michael Jackson, viendra applaudir sa star au Palais des Sports de Paris. Alors Michael Jackson qui a tout fait pour lui ressembler, là on voit qu'il s'en était quand même plutôt approché il y a quand même une quinzaine d'années de cela. Et aujourd'hui, il fait peur. Oh là là. Il est plus proche aujourd'hui de la poupée Chucky que de Diana Ross, mais enfin on lui souhaite bonne chance. Il a voulu être aimé de cette femme qu'il n'a jamais vraiment considérée comme il aurait voulu être considéré par elle. Il a tenté de s'approcher d'elle parce que physiquement, c'est ce qu'il préfère chez les femmes. Mais bon, il est allé un petit peu trop loin à notre goût. Voilà. Pierre, vous allez garder vos cerises toute l'émission? Laissez-moi avec mes cerises et foutez-moi la paix. Merci. La femme fatale. C'est le nom de cet ouvrage co-signé par Raphaël Baquet et Ariane Chemin, livre qui fait grand bruit dans le landerneau politique depuis sa sortie la semaine dernière. Les deux auteurs, journalistes au Monde, consacrent en effet leur ouvrage à Ségolène Royal et révèlent un certain nombre d'éléments sur son couple avec François Hollande, éléments qui expliqueraient l'ambition et la course en solitaire
de l'ex-candidate pendant cette campagne présidentielle. François Hollande et Ségolène Royal ont tenté ou auraient tenté de faire interdire ce livre. On va en savoir plus dans un instant, mais pour l'instant, c'est sans succès. Le succès, il est pour le bouquin, puisque je crois que déjà 150 000 exemplaires de ce livre ont été vendus. Voici Raphaël Baquet et Ariane Chemin. Bonsoir, bienvenue. Deux journalistes du Monde qui s'attaque au cas Ségolène Royal. Alors vous lui reconnaissez quelques qualités tout de même hein, dans ce livre, beaucoup, mais quand même, si vous en vendez autant, c'est aussi parce que, d'abord, le Nouvel Obs avait publié les bonnes feuilles il y a de cela 8 ou 15 jours. Moi, je me souviens avoir lu effectivement des extraits qui m'avaient tout de suite interpellé. Et puis, en plus, la publicité a été faite par l'éventuel procès qu'aurait pu vous faire ou que vous a fait Ségolène Royal ou vous ont fait Ségolène et François Hollande. Alors, où on en est d'ailleurs de façon juridique, de façon judiciaire autour de ce bouquin? Écoutez, pour l'instant, il n'y a pas de plainte. Il y a une certitude, c'est que François Hollande a dit que lui, il n'attaquerait pas. Donc il y avait un désaccord manifestement entre eux là-dessus. Quant à Ségolène Royal, nous n'en avons pas de nouvelles pour l'instant. Alors comment vous expliquez que, si ce que vous racontez est vrai, personne ne l'ait vraiment dit? Bon, il y a eu une allusion ou deux dans Le Parisien, je crois dans le journal Le Parisien, mais pourquoi on ne nous a pas dit plus tôt tout ça sur le fait que Ségolène Royal, effectivement, et François Hollande étaient quasiment en guerre, quoi, en guerre de couple? En guerre politique, on l'a raconté, en guerre politique, on l'a vu tout le temps, à chaque étape de la campagne, il l'a encore revu récemment, quand elle dit qu'elle veut accélérer le calendrier, le week-end dernier, lui n'était pas d'accord, on l'a vu qu'elle voulait annoncer qu'elle prendrait éventuellement François Bayrou comme Premier ministre et lui a dit il faut prendre un Premier ministre socialiste. Donc la guerre politique, elle s'est étalée pendant toute la campagne. C'est ça qui nous a alertés et qui nous a donné envie d'enquêter. Alors justement, Annie Lemoine, peut-être pour commencer. Moi je pense qu'il y avait des femmes pour écrire un livre comme celui-là, parce qu'elles sont allées chercher le ressort, qu'est-ce qui fait le déclic, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, Ségolène Royal passe en pole position, dépasse Hollande et dit « je veux être candidate à la présidence de la République ». Donc le déclic, selon vous, ce serait une femme blessée, une femme qui est trompée par son mari et qui dit « ben moi, je vais jouer ma carte et je vais bien l'ennuyer en faisant ça ». Alors, si un homme avait écrit ça, je crois qu'on l'aurait assassiné. Des femmes l'écrivent, des journalistes du Monde en plus, pas n'importe lesquelles, donc vous avez… Et moi, je trouve que c'est bien fait. Vous avez bien fait de le faire. C'est bien de donner aux gens à comprendre, même si c'est après l'élection. C'est bien de refaire le chemin avec les explications de Julien Drey et d'autres. Enfin, les explications, les déclarations. Je l'avais sur ce plateau samedi soir dans On n'est pas couché. Julien Drey, il a démenti avoir tenu les propos que vous lui prêtez. Oui, on l'a entendu. La phrase en question, je peux y revenir quand même, de Julien Drey, c'est François Hollande, s'il laisse passer Jospin contre Ségolène Royal, c'est ça en gros. Il ne reverra jamais ses enfants. Il rapportait une phrase de Ségolène Royal qu'il a dit devant tellement de journalistes, à vrai dire, que je crois qu'il lui est difficile de démentir. Elle avait d'ailleurs déjà été rapportée dans Le Parisien, mais Le Parisien n'avait pas dit que c'était lui qui l'avait tenue. Et le point.fr aussi l'avait déjà rapporté. Donc là-dessus, exceptionnellement, ce n'est pas un scoop. Alors, est-ce que ça peut expliquer l'échec de Ségolène Royal qui aurait été évidemment tout à fait suffisamment impréparée? Oui, évidemment, ce qui était frappant, ce qui nous a frappé chez elle, c'est qu'elle a un vrai mental de championne, Ségolène Royal. Et effectivement, elle arrive à la bataille non préparée. D'abord parce que sans doute elle est désignée trop tard dans le cheminement du Parti socialiste. Et parce que aussi, elle veut gagner toute seule, elle veut faire sa campagne seule. C'est sans doute une de ses erreurs. C'est à la fois une erreur stratégique, parce qu'elle ne rassemble pas son camp. C'est une erreur presque matérielle, car elle écarte au fond tous ceux qui pourraient lui apporter leur expertise, leur expérience. Ce qui nous a frappé, c'est l'extraordinaire désorganisation de sa campagne, au fond. Isabelle Motreau semble réagir tout de suite. Mais moi, le principe et le procédé me déplaisent. C'est-à-dire que par principe, je trouve que sortir ce bouquin maintenant, juste après la défaite de Ségolène Royal, déjà, c'est assez dur, je trouve. Alors, je crois que quand vous avez travaillé, ça s'intitulait « Les coulisses d'une victoire ». Donc c'était un nom de code parce que... Enfin, vous pouviez le sortir dans tous les cas, c'était bien. Et c'était pratique. C'est plus courageux parce que si elle avait été présidente de la République, on le sortait quand même. Oui. Enfin bon, ça aurait été intéressant aussi pour vous. Et la deuxième chose, c'est qu'on parle énormément, on vient de le faire, de cette phrase de Julien Drey, etc., sur « Si Jospin revient, tu ne reverras jamais tes enfants ». Imaginons que ce soit vrai. C'est une phrase, visiblement,
que Ségolène Royal aurait dite sur un coup de colère. Donc ça veut rien dire, parce qu'on a tous été en colère un jour, et on a tous dit des conneries, hein, appelons-les comme ça. Sauf que là, ça se retrouve répété, dit dans un livre. C'est qu'une femme qui a failli être présidente de la République, ça prend une proportion énorme. Enfin, je veux dire, effectivement, un homme aurait écrit ça, on l'aurait assassiné. Et moi, c'est pas parce que des femmes l'écrivent que ça me semble moins grave. Je trouve que c'est pas possible de dire qu'elle a voulu être présidente parce que son couple marchait mal. C'est... Pourquoi on rapporte la phrase de Julien Drey ? Ce qui est intéressant, c'est que le principal conseiller de Ségolène Royal lui-même alimente la querelle au sein du couple, et ce n'est pas anodin, car il se trouve que les deux membres du couple, il y en a une qui est candidate et l'autre qui est chef du parti qui le soutient. Donc c'est très important politiquement, le fait que le principal conseiller de la candidate alimente cette défiance entre eux, ça a joué un rôle très important. Vous voudriez qu'on le cache alors que tout le PS en parle? Tous les journalistes en parlent, pourquoi les électeurs ne le sauraient-ils pas? Moi, ça me paraît très important, je crois que ça a pesé très gravement sur la campagne. Oui. Vandel et puis Pierre Bénichoux. Je suis assez partagé sur ce que vous dites, je trouve le livre formidable et c'est une enquête formidable. Moi, la vie privée doit être privée et la vie publique, publique. Comme pour nous. Voilà, comme pour vous. Alors, pourquoi raconter? Bon, je vais raconter l'histoire terrible, la pierre d'angle de ce livre, c'est... François Hollande dîne avec Julien Drey et François Rebsamen à Lille pour les remercier et les féliciter. Le téléphone sonne, il est 22h30, il part du restaurant... Et on imagine que Ségolène l'a appelé. Et puis tout d'un coup, le téléphone sonne si sur les deux convives qui sont restés. Peut-être l'époque, parce que là, on a l'impression que c'est dimanche dernier, ce que vous racontez. Non, non, c'était en janvier. Vous avez raison, Laurent. C'était bien auparavant. En septembre 2005. Et tout d'un coup, le téléphone sonne sur les portables de Rebsamen et de Julien Drey. Et qui est au téléphone? Ségolène, qui découvre, ce que vous laissez sous-entendre, qu'elle est trompée. On a raconté cette anecdote parce que les deux principaux conseillers de François Hollande, le numéro 2 du PS et Julien Drey, sont présents. Et ils sont les témoins d'une querelle dont ils pensent qu'elle va être grave. Et ce sont eux les premiers qui quittent François Hollande, qui le trahissent pour rejoindre Ségolène Royal. Ça n'est pas anodin. Oui, mais en quoi elle motive le fait qu'ensuite Ségolène Royal va se présenter? C'est ça la question. Parce que jusqu'ici, c'est là où on vous croit moins. Alors, Ségolène Royal a toujours eu une ambition politique. En 95, elle avait songé à se présenter, donc pour nous, ça ne fait pas l'ombre d'un doute. Sauf qu'en 2005, enfin de 2002 à 2005, elle avait toujours continué à avoir cette ambition, mais elle s'était toujours effacée derrière François Hollande, en ce qui concernait la présidentielle. Le fait qu'il y ait une défiance et un conflit conjugal lui enlève ses scrupules et elle n'a plus de réserve à se lancer à la place d'Hollande. Son ambition est parfaitement légitime pour nous. Moi, je trouve ça formidable qu'il y ait une femme au deuxième tour de la présidentielle. Il n'empêche que jusqu'ici, elle s'était toujours effacée devant lui. Le fait qu'il la trompe, personne n'a dit ça encore jusqu'ici. Mais nous, on ne le dit pas comme ça. Excusez-moi, c'est vous qui le dites. C'est vous qui le dites. C'est pour ça qu'on en parle. C'est pour ça que votre livre, on ne le trouve plus en librairie, Ariane. Pierre Bénichoux. Voilà. Moi, je trouve que c'est le bon succès de ce livre est tout à fait justifié. Parce que moi, je l'ai lu, j'ai appris des tas de choses. J'ai vu la faiblesse de certains, la rouerie de d'autres, la bêtise de d'autres. Bon, et je trouvais que c'était formidable. J'ai vu un personnage qui est décrit de façon formidable et on voit cette ambitieuse, justement, à quel point cette volonté de pouvoir, cette ambition, cette femme de fer arrivait jusque-là. Mais alors, il y a deux équivoques. D'abord, c'est votre titre, la femme fatale. La femme fatale, c'est la femme pour qui on meurt. C'est la femme qui apporte le deuil. Non, la femme fatale, c'est la madone des sleeping multipliée par 10. Bon. Alors, c'est pas du tout ça. Après ça, il y a autre chose. Ce qui fait le grand succès de votre livre, vous avez fait un travail de journaliste formidable et avec l'estampille Monde, en plus, tout a l'air vrai, mais tout est vrai, je suis sûr. Mais tout est vrai. En plus de ça, il y a ce premier chapitre. Alors, ce premier chapitre, j'ai l'impression qu'il a été... plaqué. Cette histoire de, tout d'un coup, alors ils sont chez Libre, je ne sais pas où, ils se téléphonent, elle est là, elle dit comment. Et alors, de là, vous n'avez même pas, pendant tout le reste du livre, la continuité de dire, ah ben oui, cette scène qui reste. Quand on bidonne un peu, il faut y aller jusqu'au bout. Alors, je vous pose une question. Ouais. Est-ce que si elle avait été élue présidente de la République, vous auriez laissé ce premier chapitre? Bien sûr. Je n'en attendais pas moins de vous. Mais bon. Je vous explique tout de même, parce que dans ce premier chapitre, ce qui est intéressant, et contrairement à ce que vous dites, on en suit les personnages. Car elle demande à tout leur cercle d'amis de choisir, tout de même, entre elle et son compagnon. C'est très important. Il y a aussi l'autre chose, c'est que, tout de même, vous ne croyez pas au déclic. C'est des trucs de théâtre.
ou de romance, hein, le déclic qui fait que tout d'un coup, alors, j'ai vu la façon dont tu m'as regardé et j'ai su que ce n'était plus un ami. Mais non, non Pierre, ça n'existe pas, ces choses-là. Il y a une accumulation de choses, non? Car cette trahison fait que, justement, tous ceux qui auront été témoins de cette trahison seront sommés de choisir. C'est bien ce que je dis dans cette bande. Quand on voit aujourd'hui que Nicolas Sarkozy, par exemple, sollicite Jean-Pierre Jouyet, qui n'est pas très connu du grand public, mais qui est le patron de l'inspection des finances. Pourquoi sollicite-t-il Jean-Pierre Jouyet, ami de 25 ans du couple Hollande-Royal? Parce que Jean-Pierre Jouyet a rompu avec Ségolène Royal, parce que justement, il a choisi François Hollande. C'est une explication de l'acte politique qui va peut-être se produire si Jean-Pierre Jouyet rentre au gouvernement. Je ne sais pas s'il dira oui et si on lui propose le poste qui lui convient. Mais en tout cas, vous ne pouvez expliquer... Mais il n'a plus resté de place pour les gens de droite. Vous ne pouvez expliquer cette arrivée d'un homme de gauche qui a toujours fait un parcours à gauche, éventuellement dans un gouvernement de Nicolas Sarkozy, que par cette rupture. Stevie. Ah, moi, j'ai adoré. J'ai adoré parce que c'est toujours intéressant de savoir ce qui se passe en coulisses. Et on n'est pas forcément au courant de tout ce qui se passe derrière, tout ce qui se trame derrière. Moi, je vous laisse juste savoir une chose, parce qu'on voit quand même qu'elle a du culot, cette femme. On voit qu'elle passe à travers tout. Elle s'en fout de tout. Elle y va, elle fonce. Mais quand même, est-ce qu'elle va, si jamais elle se représente en 2012, est-ce qu'elle va rectifier ses erreurs, à votre avis? Oui, je pense. D'abord parce qu'elle est très intelligente. Elle a un immense talent et un flair politique, on le voit. Elle est en plus extrêmement populaire, bien plus populaire que tous ses concurrents au PS. Donc évidemment, elle veut être candidate en 2012 parce que les militants l'aiment et parce qu'elle est portée par quelque chose. Donc je pense qu'elle est assez fine et intelligente pour se préparer bien à l'avance. D'ailleurs, on en a vu la première manifestation samedi, quand elle a dit désormais il faudra désigner très tôt le candidat à la prochaine élection présidentielle, elle en a tiré les conséquences. Elsa. Moi, j'ai adoré, même si j'ai trouvé parfois que dans le genre crapuleux, vous n'êtes pas allé suffisamment loin, pour les personnes qui aimeraient bien savoir où est-ce qu'on en est, etc. L'histoire de la maîtresse de François Hollande, on s'arrête finalement à un moment où il est hébergé par les copains du PS et qu'il ne met plus un pied à la maison. On ne sait pas trop ce que devient cette idylle. Vous laissez sous-entendre quand même que Ségolène Royal, pendant sa campagne, a eu un confident, BHL. Vous dites qu'il habite juste à côté du siège de campagne de Ségolène Royal et qu'elle va souvent le voir et lui demande de l'épauler, souvent de la coacher, elle lui demande son avis sur beaucoup de choses. Vous dites même qu'à un moment donné, il lui dit que le chino lui irait très bien et qu'à Europe 1, elle arrive exactement coiffée comme BHL lui a demandé. Vous parlez vraiment de confident, d'amis politiques. Alors, est-ce que cette confidence est allée plus loin? J'imagine que vous n'allez pas me répondre, mais de ce qu'on en comprend... Vraiment, ça n'est pas le cas. Ça n'est pas le cas. Elle était très, très seule parce que, précisément, elle ne s'appuyait pas sur le PS. Et donc, il y a deux hommes qui l'ont beaucoup aidée dans cette campagne. Deux hommes qui se détestent, qui ne se ressemblent pas du tout. C'est Jean-Pierre Chevènement et Bernard-Henri Lévy. Et ils ont été présents, ils l'ont aidée, ils l'ont conseillée. Et elle était seule, de fait, parce que, effectivement, les éléphants, elle ne voulait pas faire appel à eux. Et par ailleurs, elle avait une méfiance instinctive des socialistes. Pierre, pour conclure, vous conseillez quand même ce bouquin? Mais je le conseille beaucoup, oui, bien sûr, je le conseille. Et je trouve qu'il y a des choses formidables. Par exemple, vous montrez pourquoi elle est méprisée. Moi, je crois que c'est parce qu'elle est méprisante. C'est quelqu'un de très méprisant. Elle est très dure. Et c'est le vrai défaut que je trouve. Et la femme fatale, signée Raphaël Baquet et Ariane Chemin. Merci à toutes les deux. L'invité que nous allons maintenant accueillir s'appelle Claude Dumas. Il est une sorte de champion du monde de l'invention. Au célèbre concours L'Épine, il a obtenu déjà 64 médailles en 20 ans, grâce, entre autres, à son escalier escamotable, son lit berceur pour adultes ou encore sa luge à 4 skis et amortisseurs. Mais attention, cette année, 2007, consécration suprême, Claude Dumas a remporté le grand prix du concours avec sa télescotable, une table télescopique, donc télescotable, qui mesure 54 cm pliée, 4,80 m dépliée. Soit de quoi mettre 18 invités autour de cette fameuse table. Ben oui, il fallait y penser. On rigole, mais vous y aviez pensé, vous, Stevie? Non, moi non. Ben voilà. Alors accueillons tout de suite Claude Dumas. Bonjour, bienvenue. L'homme aux 213 inventions. Comme titrait, le Parisien, ils ne sont pas trompés dans le nombre, vraiment 213. Non, c'est 213. En revanche, vous vous êtes trompé dans le nombre de médailles. Ah. J'ai déjà 94 médailles du concours L'Épine, dont 25 en or. Je rectifie alors, parce que pour le championnat, là, c'est...
D'ailleurs, le prix que vous venez d'obtenir, le grand prix du concours Lépine, c'est pas le plus grand prix, en fait. Non. Ça s'appelle grand prix et c'est pas le plus grand prix. Exact. Je ne peux plus obtenir le plus grand des prix, qui est le prix du président de la République, parce que je l'ai déjà obtenu en 1991, et on ne peut l'obtenir normalement qu'une fois dans sa vie. Pourquoi? C'était en 91? En 91, c'était pour un escalier escamotable, une très très belle pièce qui a beaucoup plu. Vous escamotez beaucoup, donc, vous? J'escamote beaucoup, je cherche à économiser de la place. Vous l'avez amené, votre table, on peut la voir? Oui, oui, bien sûr. Ça serait bien qu'on commence par ça. Elle est où, la table? Alors, comment ça s'appelle déjà, la table télescopique, la télescotable? Ça, c'est un nom déposé, par exemple, télescotable? Oui, oui, c'est un... Le problème du dépôt, vous le connaissez peut-être, c'est que ça coûte beaucoup d'argent. Mm-hmm. Et la plupart du temps, je n'ai pas les moyens pécuniaires de prendre les brevets. Donc, si je suis le plus médaillé, je suis aussi le plus copié. Oui, et le plus pauvre des inventeurs. Et pauvre parce que copié. Parce qu'en fait, la copie vous appauvrit, évidemment. Donc, Vous n'avez jamais fait fortune grâce à une de vos inventions? Ben, il y en a une qui me nourrit, qui me permet de faire les autres. Parce qu'en fait, mon activité ne me permet qu'une seule chose, c'est de faire d'autres inventions. Puisque vous le savez, en France, il n'y a aucune aide à l'inventeur et à l'invention, il n'y a absolument aucune aide. Stevie, peut la déplier, votre table, là, qu'on voit, possible, non, ça non, je crains qu'il faille une explication. Ah bon, vous allez-y avec lui, alors. Allez avec Stevie, déplier la table. Elle est jolie, déjà, d'origine. Généralement, c'est très moche quand il faut... Il y a même des papillons. Ah oui, oui. Alors, il y a deux caches poussières qu'on va pouvoir ranger à l'intérieur de la table pour la rendre opérationnelle. Et puis, quand on l'a ouverte, on découvre un petit tiroir dans lequel il y a une clé. Et cette clé va nous être utile. Ça tombe bien, c'est une clé à pipe. Ici, j'ai... Là, j'ai fait un petit rangement pour les serviettes ou pour les nappes. Ah, c'est bien fait. Hein. Voilà. Lorsqu'on le souhaite, il suffit de tirer. C'est génial. Wow. C'est très joli. On dirait des petits pupitres. Voilà. Et ensuite, une seule chose à faire. Il faut débrider les plateaux, on les abat. Il n'y a aucune... Il n'y a rien à porter. Tout est dans la table. Comment il fait pour débrider? Cassez pas la table, Stevie, cassez pas la table. Non, non, non. C'est génial, hein. Non, mais c'est magnifique, hein. Alors là, on peut faire dîner 18 personnes, c'est 18 ça? 18 couverts, mais on n'est pas tenu d'avoir 18 couverts. Alors... Imaginons que vous soyez moins nombreux. Eh bien, vous allez pouvoir... Parce que je ne peux pas tous toujours les inviter non plus. Voilà. Et donc, vous allez pouvoir la déconnecter, regardez. Ah. Et ça va devenir, par exemple, une table pour 8 couverts. Et après, ça fait une console. Et après, ça fait une console. J'adore. Vous repoussez le reste contre le mur. Ah non, c'est génial. Vous êtes un génie. Oh, on peut vous applaudir, monsieur Dumas, vraiment. Pierre, vous avez l'air de faire la fine bouche. Pas du tout. Mais je ne comprends pas comment, en faisant des choses comme ça, vous ne puissiez pas les vendre. Alors, vous me dites que c'est parce que... Enfin, vous nous avez dit tout à l'heure que c'est parce que le brevet coûte trop cher et vous dites que ça vaut entre 100 000 et 150 000 euros d'avoir... De déposer un brevet. Pour un brevet mondial. Pour un brevet mais mondial. Mais c'est quand même... C'est extravagant. C'est 100 000 et 150 000 euros. C'est de quoi acheter un... pratiquement une petite maison, quoi. Mais il y a plus étonnant que ça. Revenez ici avec votre clé à pipe. Non, restez voilà, avec moi, pas la peine. Revenez là. Parce que je voudrais prolonger la question de Pierre, effectivement. Vous dites, pour le brevet mondial, ça coûte une centaine de milliers d'euros. Voilà. Mais pourquoi vouloir un brevet mondial, déposer un brevet français, déjà? Mais à notre époque, ça ne servirait rigoureusement à rien. Puisque votre idée, surtout si elle est bonne, sera copié dans le monde entier. Mais si on a un brevet français, ça ne vous protège pas pour le ça monde entier. Ça vous protège en rien. Un brevet, c'est une... Non. Ne vous protège après, pas si vous... Par des grandes marques. Il faut surtout les moyens pécuniaires d'aller faire les procès à ceux qui ont commis le plagiat. Vous n'avez pas assez d'argent pour faire le procès, votre brevet ne vous sert absolument pas. Ça n'est pas lui qui va vous défendre. Il faudra attaquer celui qui vous a... Alors, qu'est-ce qu'elle peut devenir, cette table? Est-ce qu'un grand fabricant de meubles suédois peut vous voir, vous téléphoner et dire, moi, j'ai les moyens d'acheter le brevet? Il ne va pas vous l'acheter puisqu'il peut vous le voler. La plupart du temps, ils vous le volent. Ça se passe de façon très simple. Ils mesurent le poids que vous avez, le poids financier dont vous disposez. Et si vous représentez pour lui un risque d'un procès, là, il va reculer. Mais si vous ne représentez, ce qui est mon cas, aucun risque, parce que pas suffisamment riche, où est pour lui le risque? Mais qui fixe ce prix pour déposer ce brevet? On prélève des taxes dès que vous avez une bonne idée. Et en France, c'est alors encore pire qu'ailleurs, dans certains cas d'espèce. Pourquoi? C'est parce que, vous le savez, on dépense beaucoup d'argent pour protéger votre voiture, votre écran plat ou votre lecteur de DVD. En revanche, il n'est fait aucune dépense pour protéger nos idées. Mais je crois que ça va changer, hein.
Ah, vous le croyez? Ah, je pense. Avec le président Nicolas, croyez-moi, le président Nicolas, il est là pour ça. Bien, alors, à ce moment-là, il serait tout à fait inspiré de créer un ministère où, justement, on créerait la protection possible des nouvelles inventions, des nouvelles innovations. Elsa Fayer, qui n'a pas inventé l'eau chaude, mais... non, je voulais savoir, vous avez une très belle proposition d'un grand groupe qui souhaitait justement que vous développiez vos inventions au sein d'un groupe, et vous avez refusé. Alors quand même, c'est dommage cette histoire. Oui, j'ai fait une erreur, et ma femme ne m'a toujours pas pardonné. Bah ouais. Parce voilà. que... Ah, vous aussi. Voilà. Décidément, alors... Le panneau publicitaire en mouvement, c'est vous aussi. Oui, c'est moi. C'est incroyable. Et là, je serai millionnaire. Sur les Enfin, tout le monde a vu ça, hein, sur les murs de Paris. Avant, il y a une publicité, bah, elle ne bougeait pas. Maintenant, on voit une publicité, puis une autre qui la remplace, et encore une autre, et encore une autre. Ça, c'est vous qui avez eu cette idée. Mais j'ai une médaille du concours Lépine. Bah oui, mais on s'en fout. Qu'est-ce qui prouve que personne n'a eu cette idée-là, quelque part, dans le monde avant vous? Ah ben, on n'est jamais... De toute façon, une invention, c'est toujours appuyé sur quelque chose qui existait avant. Hein. Faut pas rêver. Ah. Et d'abord, je préfère souvent le terme innovation. D'accord. Est-ce qu'un jour, on pourra être téléporté? Je pense pas que ce soit le premier des rêves. Le premier des rêves... Si plus d'avions, plus de bateaux. Oui, Stevie, c'est possible. Un jour, Stevie, vous vouliez rendre un grand service à l'humanité et être extrêmement célèbre, ça serait d'inventer le mouvement perpétuel. Si vous inventiez le mouvement perpétuel, vous auriez bosser, du succès. Alors, ben, j'aurai un concurrent, donc, à vous rencontrer au prochain concours Lépine de 2008. Oui, mais c'est pas pareil. C'est concours alors... Lépine. Claude Dumas. L'homme aux 213 inventions. Vraiment, merci, vous étiez très sympathique et bravo pour votre table. Merci. La télescotable, incroyable quand même. Avant de recevoir notre dernier invité, Tommy Bugsy, il est le temps et l'heure de passer aux photos du jour. Et on commence par une photo de Bernard Kouchner. Bernard Kouchner dans toute la presse aujourd'hui, puisqu'on nous dit qu'il pourrait devenir le ministre des Affaires étrangères du premier gouvernement Sarkozy-Fillon, aux grandes dames de Philippe d'Oust-Blazy ou même de Michel Alliot-Marie, qui souhaitait conserver ou obtenir ce ministère du Quai d'Orsay. À l'UMP, d'ailleurs, certains supporters du candidat Sarkozy estiment qu'ils ne sont pas vraiment payés en retour de toute la campagne qu'ils ont faite pour leur candidat, et que quand même c'est un peu fort de café que ce soit finalement des personnalités de gauche qui récupèrent des postes qu'eux auraient voulu obtenir dans le gouvernement. Oui, mais après tout, c'est Nicolas Sarkozy qui a raison. En effet, s'il a gagné, c'est quand même un peu grâce aux éléphants socialistes. D'ailleurs, Dominique Strauss-Kahn aurait même mérité un ministère, lui aussi. Mais Sarko a jugé que c'était pas possible, il était pas assez à gauche. Stevie. Là, c'est sûr qu'il y a des déceptions, mais il avait prévenu au départ. C'est pas la fidélité qui compte, c'est la capacité à faire du bon travail. La compétence, rapidement. La compétence, voilà, qui prime avant toute chose. Donc de droite ou de gauche, mais on s'en fout. Il faut que ça aille vite et bien. Monsieur Devedjian a répondu à ça. Il a dit, on peut être compétent et fidèle aussi. Oui, ben oui, mais c'est peut-être pas le meilleur à ce poste. Il veut prendre le meilleur à chaque fois. Est-ce qu'on peut baisser le son du magnétophone, là de... Moi, je connais Kouchner, je sais qu'il ne va pas à la soupe du tout. Il y va parce que, d'abord, c'est son rêve. C'est un homme qui s'est occupé d'affaires internationales toute sa vie. Et avec quel succès? Dites-vous que c'est quand même la plus grande vedette française, si on peut dire, partout dans le monde et aux États-Unis. C'est quelqu'un de... Il n'y a qu'en France qu'il est mal vu. Et il n'y a qu'au Parti Socialiste où il a été déclassé, où il a été maltraité. Et je ne vois pas en quoi le monsieur Delanoë et monsieur Hollande sont fondés à aller lui dire qu'est-ce que tu fais. D'ailleurs, il n'est pas venu comme politique dans le gouvernement Jospin. Il est venu un peu comme société civile. C'est pas un socialiste pur et dur, c'est un homme de gauche, mais je trouve pas du tout déshonorant d'y aller. Puis en plus de ça, il peut très bien, ce gouvernement qui s'annonce en tout cas, vous savez que Mitterrand disait le Chirac, ça va être sportif, mais là, c'est sportif. Hein, là, ça va être sportif, on va voir. On va voir. En tout cas, Nicolas Sarkozy pourrait aussi donner un poste à Madame Jospin, puisque d'après l'Express de cette semaine, Madame Jospin aurait voté Nicolas Sarkozy, elle aussi, le 6 mai dernier. Ce qui est drôle, c'est que d'après l'Express, on nous dit que Madame Jospin a confié son choix à un ami sous le sceau du secret. Et bien, ce qui est bien avec les trahisons, c'est qu'on n'est tellement pas fiers de ça qu'on a du mal à les garder pour soi. Pierre Bénichoux.
C'est pas toi, non, pas du tout. Mais d'abord, je ne connais pas cette dame, cette femme. Mais je veux dire, je pense qu'en effet, elle a pu voter contre parce que c'est vrai que Ségolène Royal avait, malgré son talent et malgré ça, récupéré une sorte de d'aigreur et de haine de tous les gens du Parti Socialiste qui pensaient que c'était à eux ou à leur mari, en l'occurrence, de représenter la gauche, et que ça ne m'étonne pas, ça ne va pas être la seule qui ait fait ça au Parti Socialiste. Annie, ouais. Enfin, ça ne change rien au résultat. Et comme Cécilia n'a pas voté, ça rétablit le... Au moins, elle vote, c'est déjà ça. Alors, on passe au président Chirac, qui va nous dire au revoir ce soir à 20h. La phrase la plus amusante que j'ai trouvée dans Le Parisien ce matin, c'est une phrase de l'historien Henri Amouroux, interrogé donc par ce journal, et qui répond... Sans vraiment avoir le sens du compliment, regardez la phrase, il n'est pas exclu qu'un jour on le regrette. On fait mieux quand même comme oraison funèbre. En tout cas, jusqu'à aujourd'hui, Giscard était le seul ex-président de la République encore en vie. Et demain, avec Chirac, ils seront deux. Un duel à l'épée est prévu demain soir, 20h30, Quai Conti devant l'Académie française. C'est vrai ? Alors, Les Américains sont habitués à ça. Ils ont Bill Clinton, ils ont Jimmy Carter qui est toujours vivant. Ils ont 3-4. Ah ouais, ils ont plus Reagan, ils ont plus Ford. Non, ils en ont plus que deux, je crois, les Américains encore en vie. Ah non, trois avec Bush père. En tout cas, dans quelques minutes, cette image-là, le au revoir, va s'inscrire dans la mémoire de jeunes enfants qui auront ce repère-là. Chirac s'en va. On passe à Alain Juppé, qui, lui, devrait donc obtenir le ministère du Développement Durable, puisque grâce à son séjour canadien, nous rappelle le journal Le Figaro, Alain Juppé s'est converti à l'importance de l'écologie, appelée donc aussi écologie Développement Durable. D'ailleurs, au Canada, ils en font même du sirop durable, ça s'appelle. Alain Juppé, super ministre de l'écologie, c'est d'ailleurs un peu comme le Canada Dry. Hein. On croit que c'est un super ministère. Ça a la couleur d'un super ministère. Ça pétille comme un super ministère, mais ça reste un emploi fictif. On termine par Laure Manaudou, dont l'Italie ne veut plus, dites donc. Alors ça, c'est encore nouveau. La Fédération italienne de natation préférerait que la championne française ne vienne pas s'entraîner en Italie. La pauvre, elle va devenir SPF, sans piscine fixe. Heureusement, nous sommes tous ici, on a tout essayé, prêts à nous cotiser. Hein, Pierre, je crois que Pierre Bénichou, vous êtes d'accord pour qu'on installe une piscine gonflable dans votre jardin. Non, hein. Moi, je lui donne ma piscine. Mais peut-être même que vous avez encore la piscine gonflable que vous aviez tenté d'installer dans votre jardin pour attirer Loana à une époque. Oh. Et en fait, si Laure Manaudou revient en France, eh bien, voilà, on a la solution. Elle pourrait être entraînée dans une piscine par Jean-Édouard. Notre dernier invité pour ce soir, c'est le rappeur le plus torride de la scène française, celui qui se fait appeler le gangster d'amour, mais qu'on voit également de plus en plus souvent au cinéma. J'ai nommé Stomy Bugsy, actuellement en tournée avec son groupe caverdien, la MC Malcriado. Stomy vient ce soir pour nous présenter un nouvel album solo intitulé Rime passionnelle, album pour lequel il a décidé de changer l'orthographe de son nom puisque Bugsy ne s'écrit plus avec un S, mais avec un Z qui signe à la pointe de... Voici Stomy Bugsy. Bonjour, bienvenue. Stomy Bugsy avec un S, désormais c'est l'acteur, le comédien. Avec un Z, c'est le chanteur. C'est à peu près ça, j'ai bien compris. Exact, bon. Z, rappeur, S. Et vous retrouvez quelques copains à vous quand même sur cet album pour une ou deux chansons? Oui, plein. Carrément, on a reformé tout le secteur A. Le secteur A, c'est-à-dire Passy, Amédée, Arsenic, Neg Marron, Pete Bacardi, il y a toute la famille réunie. Il y a MC Jean Gabin pour une autre chanson. Ouais. Ah bon, ça aurait plu. On regarde tout de suite un extrait pour qu'on en parle ensuite ensemble. Ouais, ok. Alors, c'est normal, ça vous va? On fait avec normal. On fait avec normal. On y va. La critique unanime, rapporteur est mon fils légitime. Petit, je n'ai pas peur du noir. Les disques d'or, c'est comme les hémorroïdes. N'importe quel trou du cul peut en avoir. Procureur dans le corps. Normal. Flirt avec le meurtre. Normal. Arme blanche, arme à feu. Normal. Colonisé par les lycées. Anormal. Get le Briggs passé. Normal. Diplôme en prison. Normal. Putain d'évasion. Normal. Mandat de perquisition. Moi, ce qui me plaît avec vous, c'est qu'il y a quand même toujours pas mal d'humour dans vos chansons. Ouais, j'essaie de mêler l'humour, un peu de provoque, un peu de vérité, de tendresse, de sensibilité, tout ce que je suis. Je suis un gémeau, donc... Mais c'est dur,
C'est dur pour moi en tant que rappeur de mêler tous ces personnages. Ça a été mon problème dans les autres albums, comme j'ai plein de choses en moi. Et de passer, souvent dans mes autres albums, je passais du coq à l'âne. C'est-à-dire que tu peux avoir un morceau sur l'esclavage, après un autre morceau plus sensible, après un autre morceau, un morceau marrant. Donc c'est dur. Dans cet album, Rime Passionnelle, j'ai essayé de tenir une ligne conductrice vraiment plus sombre. Et vous revenez un peu aux sources. Il faut dire qu'Elsa Fayer a adoré ça. Ah, j'ai adoré et je suis contente, hein, parce que vous étiez un petit peu égarée. Hein, entre Julio Iglesias, vous les femmes, mon papa, moi, est un gangster. Voilà. Bon, j'ai compris que vous aviez... Moi, je vous connais depuis le début, donc je vous suis depuis vos débuts avec le ministère Hammer, les etc. J'adorais ce rap hardcore, j'adorais votre son, j'adorais ce que vous disiez, même si beaucoup l'ont critiqué, parce que c'est vrai qu'il fallait prendre souvent les choses au second degré, d'autres l'ont pris au premier, ce qui vous a valu des petits ennuis avec la police. Et là, enfin, ça y est, il revient, ça y est, oui. Décomplexé. Je reviens avec le son, je reviens avec mes mots, je reviens avec ce que j'aime dire, je reviens aussi avec le ministère Hammer, ça fait quand même super plaisir. Et alors justement, en parlant du ministère Hammer, où vous en êtes avec Doc Gynéco? Est-ce que enfin ça y est, c'est rabiboché ou est-ce que c'est définitivement perdu? Est-ce que c'est le Z de Sarkozy qui vous a prêté? On en est où? Non, on va dire que Gynéco, c'est de l'histoire passée. C'était mon petit frère avant, c'est terminé. Non pas pour les propos, non pas parce qu'il s'est rallié à Sarkozy. Ça, je critique pas chacun ses idées. On est en démocratie. C'est plus pour les propos qu'il a dit sur les banlieusards, comme quand on était des clowns, alors que c'est les banlieusards qui l'ont mis là où il est maintenant. Donc, juste pour ça. C'est une trahison. Ouais, pour moi, c'est une grande trahison. Vandal, pourquoi vous faites du rap? Vous préféreriez pas être un vrai chanteur? Non, je veux dire pourquoi je dis ça. Stop, ne répondez pas. Parce que j'ai retrouvé une interview de vous. Vous aviez 26 ans, c'était en 98, on va la voir, et on pose la question, le rap est en pleine ascension. Comment te vois-tu dans 10 ans? Ah, j'aurai 36 ans, je me vois pas en train de rapper, je serai chanteur. Alors pourquoi vous l'avez pas fait? Je fais pas encore 36 ans, ouais. C'est bon ça. Non. Peut-être, non, j'ai un projet d'un album. Il y a plein de chansons que j'ai écrites déjà. Mais quand j'aurai 50 ans, je me vois bien terminer à la Dutronc. Donc dans 10 ans, alors. Dans 10 ans. Et puis il y a une chose que j'aime bien chez vous, c'est que parfois, vous allez à contre-courant du rap, comme le prouve cette interview. Hip-hop, c'est quand même la musique de toutes les musiques qui vante le plus l'argent, gagner de l'argent et montrer qu'on la a de l'argent. La réussite sociale. Pas moi, pas dans mes textes et ni dans mes clips vidéo. Mm. Dans mes clips vidéo, il n'y a pas de fesses de filles avec des strings et de l'or partout, du bling bling. Moi je trouve ça bien, c'est assez beau, c'est noble. Et pour fêter ces jolis propos, je vais vous montrer les images de votre dernier clip hardcore. Pas de fesses, pas de cul, rien du tout, allons-y, regardez. Alors, c'est vrai, elles sont pas toutes en string, il y en a même qui n'ont pas de culotte. Compliments, Tony Bugsy, bravo. Bah oui, mais c'est hardcore. Non, c'est hardcore. J'avais jamais fait de clip comme ça. Et en faisant un clip comme ça, je l'ai envoyé sur le net, ce clip-là, et c'est le clip de rap qui a été vraiment le plus vu en 2007. En faisant ce clip-là, c'était un essai. Et je me suis dit, vraiment, c'est quand même pauvre d'esprit. On est obligé de faire des trucs comme ça pour être vu par une... Ouais. Mais c'est les paroles qui sont le plus important, c'est pas les images. Il y a des rappeurs historiques qui en fait partie maintenant, et il y a Ayam notamment qui vient de sortir un nouvel album, et qui disent la même chose. Ils disent ras-le-bol des caras, de la culture du cara, des jantes, machin, etc. Vous, on a l'impression que vous êtes des puristes, des anciens, et que vous avez envie de revenir aux sources du rap. J'essaye aussi de m'adresser à un public jeune. Je sais que les jeunes aiment ce genre d'image et ce genre de bling-bling comme ça. Votre fils, donc, par exemple. J'essaye, oui, il adore. Il adore le nouveau Stomé, il adore. Donc, en leur donnant des images comme ça, j'essaie de mettre des paroles sensibles, des paroles vraies en dessous. C'est juste ça, c'est juste un emballage. C'est les paroles le plus important. C'est votre fils sur le bras, là, qu'on voit? Ouais, Bilal. Pierre Benichou. Oui, moi, j'ai connu vos premiers disques quand vous étiez un rappeur très hard, très dur. Vous aviez même des propos sur les flics, sur tout ça, qui étaient terribles. Alors, est-ce qu'on peut vous dire que vous êtes assagi? Non, je ne suis pas assagi, quoi? Je suis un peu schizophrène. Cet album est très hardcore, très sombre. L'autre album... Vous faites aussi bien d'un côté que de l'autre. Ouais, alors, oui, quand vous dites une phrase comme « Au pieux, je suis un dieu », et ça, les filles, elles le sentent bien. Ça, d'ailleurs, il m'avait invité et j'étais bien sur ça. Non, ça, c'est pas vrai.
Ça, vous ne l'avez jamais dit. Non, 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 j'ai pas, attends. Qu'est-ce qui est pas attends, monsieur Michou, non, j'ai pas dit cette phrase. J'ai pas dit cette phrase, je me serais jamais permis de dire une phrase comme ça. Ah bon, ça se sent que je vous dire, mais... Alors, vous l'avez dit aussi, depuis que je me suis fait photographier nu, je suis condamné aux tablettes. Ouais. C'est quoi les tablettes? C'est ce que tu n'as pas. Mais oui, mais je savais bien. Vous, c'est de la mousse au chocolat, vous voyez. Sylvie Boulet. Moi, j'aimerais vous parler de vos engagements. Vous êtes l'un des parrains de Dessinez-moi un mouton. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette association? Oui, c'est une association qui s'occupe des enfants qui ont le sida. Ils ont toute une structure où ils s'occupent de familles, de mères. Et aussi, il y a des enfants qui sont nés avec le sida et ils leur offrent des psychologues. En fin de compte, je suis souvent avec eux et je suis venu dans leur bureau. J'ai vu vraiment que c'était pas du bluff et je leur apporte mon soutien. On a fait un court-métrage aussi. On a fait plein de soirées pour récolter des fonds. Voilà, et c'est une association qui s'occupe aussi bien de noirs, de blancs que d'asiatiques. Voilà, je suis avec eux. Mais pour en parler, c'est dur, c'est plus les faits, quoi. Ouais. C'est... En tant qu'acteur, vous allez descendre à Cannes. Parce que je vois que vous êtes à Cannes avec vos amis capverdiens pour la tournée de MC Malcriado. Vous serez le 24 mai à Cannes. D'abord, vous partez vraiment au Cap-Vert, c'est ça? Oui. Chanter là-bas sur place pour un festival de Gamboa. Ensuite, vous reviendrez le 26 mai à Saint-Germain-des-Prés, à La Villette le 27 mai, à Paris au Salon Boucle-Ébène le 2 juin et même au Portugal le 9 juin. Mais avant, donc à Cannes le 24 mai. Donc ça veut dire que vous êtes là-bas en tant que chanteur et en tant qu'acteur. Oui, aussi pour la promo de Gomez contre Tavares. Voilà, avec Titoff. Ah. On en reparlera ici. Et Jean-Benguigui aussi. Et Jean-Benguigui dans la suite de Gomez et Tavares, puisqu'il y avait déjà eu évidemment un premier numéro. Yep. Vous intéressez au cinéma? Oui. On vous propose 3 affiches de films qui sortent demain. Allez. Avec Isabelle Motreau, demain au cinéma. Ouais. Et on commence par Tout ira bien. Alors, réaction, Annie Lemoine. Oui, Tout ira bien, bah, c'est sympathique, ça évoque le N'ayez pas peur d'ailleurs. Mais les couleurs me font penser au cinéma d'Almodovar, chaud. Vandel. Ça sent le joli petit film sans budget, défendu habituellement par Isabelle. Elsa Fayer. C'est un joli petit film à budget, défendu par Isabelle et que je n'irai pas voir. Tommy, Boxy, ça vous dit quelque chose? Le titre, oui, l'affiche, non. Oui. Tout ira bien, c'est optimiste. Et ben, c'est optimiste, puis c'est optimiste pour le cinéma allemand, parce que c'est un film allemand d'un jeune réalisateur dont le deuxième film est sélectionné dans une truc parallèle à Cannes, dans une sélection parallèle à Cannes. Et Tout ira bien, ça raconte en fait l'histoire d'un type qui s'appelle Marcel, qui vit en Allemagne, qui est au chômage, qui fait des petits boulots plus ou moins légaux, qui boit un petit peu. Et ce type, il a un garçon qui s'appelle Sébastien, qui a 15 ans, avec lequel il ne vit pas. Et le Sébastien revient vivre avec son père. Et en fait, c'est le fils qui va sauver le père, qui va prendre comme ça le rôle paternel. Et il y a beaucoup d'humour et beaucoup de tendresse, donc c'est plutôt réussi. Tout ira bien, un film de Robert Thalheim. Et on passe à Stepping. Ah, ça peut-être un peu plus intéressé. Tommy Bugsy, puisque je vois sur l'affiche qu'il est écrit « Pour gagner, il doit révolutionner le hip-hop ». Elsa Fayer. Ah, moi, c'est tout ce que j'aime dans la vie, c'est les films qui parlent de danse. Je suis fan de Staying Alive, de Flashdance. Dès qu'il y a un film, j'ai vu le dernier film de David LaChapelle. Pour moi, dès qu'il y a un film avec un peu de danse, j'adore. Ça, c'est pas du tout du David LaChapelle. On voit que c'est quand même différent. Moi, je trouve l'affiche très bien aussi. Comment tu connais David LaChapelle? S'il y a un truc, tu peux être sûr. Donne-moi rendez-vous, j'irai pas le voir. Et vous, Tommy? J'irai le voir parce que j'ai été breaker et j'ai breaké longtemps. Mais j'ai peur juste dans ce genre de film, c'est souvent le scénario est bidon. Alors, par contre, les danseurs, après, sont des bombes atomiques. Alors, Isabelle, j'irai le voir. Scénario bidon ou pas? Voilà, le scénario, c'est pas la force du truc. On va voir ce film-là parce qu'effectivement, ça parle quand même de réussite, de réinsertion sociale. C'est effectivement l'histoire d'un jeune mec qui va réussir parce qu'il a un talent de stepping. Donc, j'ai appris ce que c'était que le stepping. C'est une sorte de break. Voilà, c'est le Billy Elliot du rap. Et puis surtout, c'est très bien filmé. Donc, on ne s'ennuie pas. Je continue à le surprendre, tu sais. C'est le seul qui est encore épaté quand je dis un truc banal. Non, mais je sais pas, c'est parce que peut-être j'adore Billy Elliot. On passe à Zodiac, sélectionné d'ailleurs officiellement à Cannes avec Mark Ruffalo, Jack Gyllenhaal et Robert Downey Jr. Vandel. Ah oui. J'ai cru que c'était une marque. J'ai vu cette affiche. Je me dis, qu'est-ce que c'est? J'ai vu que c'est le mec qui a fait Seven et Fight Club et ça me tente tout à fait. Vous avez vu le sous-titre quand même? Une série de meurtres terrorise la Californie. Un seul homme
les revendique. Oui, mais ouais. En quoi on voit que ce que c'est. Moi, j'ai vu trouver ça sur ma table, dans ma loge tout à l'heure, et j'ai dit, il pourrait faire le ménage, merde. Je croyais que c'était un truc. Mais je te jure que c'est vrai. Je te jure que c'est vrai. C'est ça qui m'a plu. Tiens, il a commencé, il a cru que c'était un sudoku. Oui, exactement. Stevie, je vous oublie toujours Stevie. Derrière, là. Ah, mais moi, je trouve l'affiche merveilleuse, mais vous savez, j'ai presque les mêmes choses que j'ai peintes sur mes murs, au Mans. Ah ouais. Ça, c'est un signe. Bah, c'est peut-être vous, alors, le serial killer. Non, je suis pas le Zodiac, non, mais moi, c'est de la ramée. Hein. Parce qu'il s'agit bien d'un serial killer, Isabelle. Il s'agit d'un serial killer qui a terrorisé la Californie dans les années 60. En 66-78, hein, c'est sa série de meurtres. Et puis surtout, ce qui est terrible, c'est qu'on ne l'a jamais découvert. Ce type, le Zodiac, oui, est toujours en liberté. Non, non, si. Il paraît qu'il habite Le Mans et sur ses murs, on retrouve les mêmes signes. On a ramé un. Le coup de cœur de la semaine. Un Zodiac. Isabelle Motreau, parfait. Notre coup de cœur à nous cette semaine musicalement, c'est le nouvel album de Stubby Bugsy avec un Z, rime. Passionnel, au pluriel, c'est son nouvel album et sur scène actuellement il est en tournée avec ses amis capverdiens pour la tournée de MC Malcriado. Merci Stubby Bugsy. Ciao, bye bye, à demain.